nous sommes devenus ce que nous avons vécu. Nous sommes devenus le passé de ce que nous avons voulu garder. Et en fait, ce que tu es, ce n'est ni plus ni moins que tout le passé que tu as voulu faire exister. Alors, tu le réitères, parce que ce sont les références sur lesquelles tu vas te baser pour pouvoir paraître, pour pouvoir jouer ton rôle, pour pouvoir vivre selon la volonté collective. Et si tu n'es pas cela, alors tu vas te sentir terriblement isolé, parce que le monde ne va pas t'accueillir tel que tu es, parce que ce que tu es, c'est au-delà de toute l'image que tu peux montrer. Ce que tu es n'a pas d'existence. Et ce que tu es ne peut pas être là si l'image est là. Derrière l'image, il y a une réalité. Donc, ce que tu veux faire, c'est de faire exister ce que tu aimerais être. Et toute cette activité te donne envie de toujours créer ce qui est en sécurité. C'est-à-dire, tu prends le passé, tu l'emmènes dans le présent et tu en fais quelque chose de vrai. Tu le perdures, tu le gardes, ça devient de l'habitude et tu veux perpétuer ce que tu as été. Parce que ce que tu as été te rassure. Parce que ce que demain sera, alors tu as peur, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura dedans. Donc, si ton esprit va dans ce futur, tu vas te raconter des histoires, et les histoires que tu vas te raconter, ben, ça va te faire peur. Donc, on est en train de dire là, si tu ne vas pas dans le futur, si tu restes là, présent, avec ce qui se passe, alors, tu vas pouvoir accepter ce qu'il y a. Et sans te raconter des histoires de ce que sera demain. Parce que dès que tu te racontes des histoires, l'histoire que tu te racontes va être pour toi très importante. Et tu vas le poursuivre. Tu vas vouloir l'atteindre. Tu vas vouloir l'avoir. Parce que tu crois que là, il y a une sécurité pour toi pour continuer à être ce que le passé t'a proposé. Tu es le passé et tu l'emmènes dans le présent. Et dans ce présent-là, le passé devient quelque chose que tu concoctes, tu arranges, tu modifies, tu modernises et tu espères qu'avec ça, tu seras mieux. Il y aura quelque chose qui va se passer de mieux. Donc on est tout le temps en train de s'améliorer. Mais il y a quelque chose qui ne s'améliore pas. C'est justement ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai ne peut pas être quelque chose qui peut être envoyé dans le futur pour devenir. Parce que ce que tu es n'a jamais été ailleurs que là où tu vis, là où tu respires. Mais tu as l'impression qu'il faut emmener ça pour pouvoir l'arranger. Parce que tu t'es identifié à toutes ces pensées que tu t'es donné d'être et tu voudrais toujours être mieux. Parce que de toute façon, tout ce que tu vas faire va être détruit. Avec le temps, tout se fissure, tout s'effrite. Et tu ne peux pas garder ce que tu as vécu hier comme étant ce que tu vas vivre maintenant. Maintenant, c'est une nouvelle vie.
c'est quelque chose de neuf. Et c'est ce neuf qu'on ne sait pas vivre. On ne sait pas qu'est-ce que c'est ce neuf. Parce que c'est ce neuf qui fait peur. Parce que dans ce neuf, il y a de l'improvise. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'indisible, d'inconnu. Donc tu te raccroches à tout ce que tu es, à tout ce que tu voudrais garder de ce que tu as vécu. Donc ce que tu es, à ce moment-là, si tu regardes bien, tu es tout le passé que tu es, c'est ce que tu es là maintenant. Et c'est avec ça que tu soutiens la vie que tu as. Mais tu n'es jamais présent vraiment. Pour être présent, il faut savoir que tu n'es pas identifié à ce que tu as été. Il faut que tu te débarrasses de tout ce que tu penses être. Et alors, tu peux être ce que tu es pour de vrai. C'est seulement quand plus rien n'existe de ce que tu penses qu'il peut y avoir quelque chose de neuf. Donc la pensée contraint l'esprit à ruminer les choses du passé. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on est tout le temps en quête d'un mieux-être. On n'est jamais satisfait. On veut plus et plus et plus. Et en fait, il y a une déception dans tout ce que tu as. Tu peux prendre. Parce qu'au bout de tout ça, il y aura toujours une déception. Parce que la vie n'est pas quelque chose que tu peux répéter. Ce que tu répètes, c'est une illusion. Ça ne peut pas exister. La seule chose qui existe, c'est ce qui est vivant d'instant en instant. Mais ta peur t'empêche d'être ça. Donc, tu te réfugies avec ce que tu connais. Et parce que tu te réfugies là-dedans, tu n'es pas libre pour être ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est justement au-delà de tout ce qui est connu. Et au-delà de tout ce qui est connu, il y a quoi ? Il y a un grand vide, il n'y a rien. Et là-dedans, tout se passe. Mais tu ne sais pas parce que tu n'as jamais été cela. Tu as toujours voulu rester dans tout ce que tu as appris, tout ce que tu as connu. Et tu gardes, tu le répètes, tu le fais constamment de la même manière. Tu ne veux pas abandonner ce que tu as gagné. Toute la notoriété, tout l'aspect, tout le personnage qui s'est construit autour de ce que tu as vécu veut exister. Et ce qui veut exister, c'est le passé. Ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es n'a rien à voir avec le passé. Parce que ce que tu es, c'est ce qui émerge là, juste là, maintenant. Quand il n'y a plus rien de part et d'autre de la présence que tu es là. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Il y a juste ce moment unique. Et ça, c'est l'éternité qui fait que tu es le sublime. Mais pour être ce sublime, il faut que le passage de ce moment présent soit libéré de toute interférence avec ce que tu penses, avec ce que tu penses être. Parce que ce que tu penses être s'exprime par le même canal. Le canal que nous avons exprime nos pensées et exprime aussi ce que l'univers propose. L'univers propose la joie, la paix, la liberté, et tes pensées proposent d'être celui qui veut garder la main mise sur la sécurité qu'il a gagnée, d'être l'image qu'il se donne d'être. Et cette image, c'est une fausseté. Donc seul existe ce qui se trouve au-delà de l'image. L'image n'existe pas. C'est une invention. Une invention qu'on a fait
pour pouvoir faire en sorte que le passé puisse perdurer. Et donc, dans ce passage du passé au moment présent, tu vis avec tout ça, tu l'emmènes dans le présent, et dans le présent, eh ben, tu vas l'arranger et tu vas le faire parvenir dans l'espoir. Et avec cet espoir, tu voudras mieux, tu voudras quelque chose de plus. Mais cette chose de plus que tu vas avoir n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est la joie de ne plus avoir à trimballer avec toi tout ton passé, toutes tes histoires, tes tracasseries, tes mésententes, tes problèmes. Et on travaille tout le temps à vouloir les garder pour pouvoir faire en sorte que ce que tu aimes ne s'en aille pas. Ce que tu es devenu est le résultat du passé. Donc, tu veux que ce passé vienne te réconforter, te consoler tout le temps, parce que tu es face à un grand vide, à rien. Et donc, à ce moment-là, tu es embarqué dans toutes sortes de conflits entre ce que tu es et ce que tu devrais être. Et tu ne vis pas la vie. Tu vis le passé. Tu n'es que le passé. Tu es une machine qui répète ce qu'il devrait y avoir, mais qui n'existe pas.